festivals professionnels, qui va aussi dans des lieux non professionnels, non équipés. Et sa particularité première, je pense, c'est vraiment de faire de l'intergénération. L'idée, c'est pas que les enfants soient déposés par leurs parents devant la salle de spectacle et qu'ils viennent les récupérer ensuite. Là, systématiquement, les enfants sont avec leurs parents ou avec leurs grands-parents ou quelqu'un de la famille. Et cette intergénération est intéressante pour former les spectateurs de demain et puis pour favoriser les échanges entre les générations. Donc le festival s'est créé d'abord à l'initiative d'un projet déposé par la ville d'Annecy dans le cadre du projet intercommunal. Il y a eu une phase intermédiaire par une association qui s'était créée au fil des scènes, mais très vite il a semblé logique, étant un projet intercommunal, qu'il soit porté par la COMPA et par l'intercommunalité, ce qui a pu lui permettre de l'asseoir, d'avoir plus de moyens et de meilleures conditions. Mon meilleur souvenir autour du festival, c'est sans doute la création de Oh Boy par le Théâtre du Phare, mise en scène par Olivier Letellier, parce que c'était assez risqué à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était un spectacle qui parlait d'homosexualité. Le public a très bien reçu ce spectacle, qui depuis a fait une carrière internationale, qui a eu à Molière, et tout ça est né à Mésanger, donc dans une commune rurale du pays d'Annecy. J'avais mal pris les mesures dans une salle où devait se jouer un spectacle. Et lorsque la compagnie est arrivée, le décor ne rentrait pas. Il ne pouvait pas se monter le décor, il ne pouvait pas jouer. Et on a eu l'après-midi seulement pour trouver une solution. Et finalement, le spectacle s'est fait dans une grange, à Montrelais, au milieu des bottes de paille, de foin et du tracteur. Et le public a trouvé ça génial, les artistes et tout le monde.